une cellule psychologique est mise en place en Saône-et-Loire pour les camarades de classe de la jeune Emma. Emma, c'est cette adolescente de 14 ans étranglée et poignardée à mort par son petit ami du même âge. Pour une raison que l'on ignore encore, son corps a été retrouvé très tôt hier matin. Elle serait morte dans la nuit. Son petit ami a immédiatement avoué les faits hier matin et le maire du village de Clessé où elle habitait est bouleversé sur RMC. C'est une enfant qui était mignonne, pleine de joie, qui souriait. Avec des parents aimants, on vient de perdre donc une petite poupée qui était très gentille. J'ai vu pas mal de gens, mais ils sont abasourdis, ils sont atterrés. C'est pas pensable ce qui s'est passé sur notre village. Est-ce que vous avez échangé avec ses parents ? Je vais y aller aujourd'hui, après le choc, disons, pour parler avec eux, parce que je pense qu'ils en ont énormément besoin d'évacuer tout ça. C'est horrible pour eux, c'est horrible ce qui s'est passé. Il n'y a pas de mots assez forts pour ce geste.